pour une nouvelle vidéo avec les 5 alliés pour la perte de poids. Et oui, comme on le sait tous, ce n'est pas évident de perdre ce fichu kilo, mais je vais vous dire les 5 alliés. Et oui, c'est important ça, parce que, alors ce n'est pas parce que vous allez prendre ce que je viens de vous dire que ça va être des produits miracles. Non, 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 non. Attention, ce sont des alliés, comme je dis, d'accord? Donc, forcément, le premier allié, le plus important, c'est le rééquilibrage alimentaire que l'on fait. Si vous ne le faites pas, vous pouvez nous rejoindre dans le programme WW, hein, on est là pour ça. Donc, ça, c'est c'est le primordial, le rééquilibrage alimentaire. Voilà, comment savoir cuisiner, mettre des bons ingrédients dans votre assiette, ça, c'est très important de faire une journée équilibrée. Donc ça, le rééquilibrage alimentaire, c'est le premier allié. Deuxième allié, autre que le rééquilibrage alimentaire, ça va être le sommeil. Oui, c'est super important le sommeil. Pourquoi, à votre avis, c'est super important le sommeil? Hein? Parce que si... Enfin, moi, je suis à peu près à 99% des gens. Si je dors mal, déjà d'une, je suis de très mauvaise humeur. Et en plus... Si je dors mal, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais grignoter. Pourquoi on grignote? À votre avis, pourquoi on grignote? Pour avoir un peu d'énergie et parce que voilà, on est fatigué, on est stressé, on n'est pas bien, on a mal dormi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va ouvrir la porte du frigo ou nos placards. On va prendre la première chose parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête parce qu'on est fatigué justement. Et donc du coup, on va prendre la première chose qui nous vient. Donc non, 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 on essaye de bien dormir. Si vous pouvez également, faites une petite sieste, même une sieste de 20 minutes, ça c'est top. Donc franchement, pour vraiment se reprendre de l'énergie, mais la nuit, c'est important de bien dormir. Donc essayez de prendre un rythme, une habitude sur ça, de vous coucher pas trop tard et de vous lever quand vous pouvez le matin, mais de ne pas vous coucher trop tard le soir, ça c'est très 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 important. Troisième allié, pas des moindres, ça va être l'eau. Mais oui, c'est super important, l'eau. Au moins, boire 1,5 litre d'eau par jour. Hein, après, vous faites ce que vous voulez, parce que ça dépend selon les personnes, si vous avez fait du sport ou pas de sport, ou si vous en avez plus besoin pour un homme, pour une femme. Mais au moins, boire 1,5 litre d'eau par jour, ça aide vraiment pour la perte de poids. Je ne dis pas que c'est un produit miracle, mais ça aide vraiment pour la perte de poids. Ensuite, bien évidemment, désolé, mais ça va être le sport. Bah oui, un peu de sport. Je ne demande pas de faire le marathon, comme je dis à mes membres. Vraiment, le sport, c'est vraiment une activité physique. Donc, que vous ayez une activité physique régulière, un petit peu, même que je... au moins marcher. Marcher le soir quand vous rentrez du travail, quand vous êtes fatigué, etc. Marcher, ça fait du bien. Même le week-end, vous faites du vélo, en famille, etc. Trouver des activités ensemble, au moins ça fait du bien à la tête et ça permet aussi, donc ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Donc du coup, vous vous sentez mieux, vous prenez en confiance en vous. Donc ça vous aide aussi également, c'est vraiment une arme puissante pour la perte de poids, ça, le sport. Parce que ça vous donne une confiance en vous, ça permet de ne pas craquer, ça permet vraiment de continuer dans votre programme et ça c'est top. Et enfin le cinquième allié qui n'est pas des moindres et que je dis vraiment souvent, ça va être le bien-être, c'est-à-dire prendre soin de soi. Et oui, c'est très important. Donc après le sport, moi ce que je fais, vraiment je prends soin de moi. Si vous le voyez sur Instagram, donc si vous n'êtes pas sur Instagram, vous me rejoignez, c'est Ange14, et là je vous montre un peu mon quotidien, donc vraiment ce que je fais. Donc après mon sport, ce que je fais habituellement, donc moi j'utilise des produits, mes produits c'est le Blue, donc c'est mes chouchous, donc avec mon appareil minceur et toutes mes crèmes cellulite et minceur. Donc si avec ça je ne perds pas, il y a un souci. Mais je fais vraiment, donc si vous prenez que des produits Cellule Blue et que vous ne prenez pas le reste, forcément bah voilà, là c'est un allié aussi. Donc si vous n'avez pas ces produits là et ben moi ce que je vous demande, c'est vraiment de prendre soin de soi, de vous faire un masque, un gommage, de vous mettre de la crème sur vous, vraiment de prendre de faire une bulle bien-être et de prendre ce moment-là pour vous. C'est très très important aussi et c'est un super allié pour la perte de poids.
Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner, c'est rectangle rouge juste en dessous. Et moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous donne rendez-vous dimanche pour le tableau d'une semaine. Bye!